Play, genre c'est vrai que si vous aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Dofusstage, donc j'espère que vous allez bien. Donc oui, ça fait un mois que je n'ai pas fait de vidéo, donc j'en m'excuse tout simplement parce que j'avais cours et j'avais la flemme quand j'entrais à 16h, 17h, 18h de faire une vidéo de 2-3 heures, alors que là j'ai 3 mois de vacances, étant donné que oui, comme je suis en seconde et que je passe en première, j'ai 3 mois de vacances, donc je vais vraiment vous faire énormément de vidéos, peut-être une tous les 2 jours ou une tous les jours, je verrai selon mes disponibilités. Du coup, comme vous avez vu avant l'introduction, c'est Lunatic qui a gagné le dernier concours Kama, qui a gagné les 500 000 Kama. Donc bravo à toi. Donc pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas ma chaîne YouTube, je fais un concours Kama à chacune de mes vidéos. Alors pour participer, vous devez laisser un like, vous abonner et laisser un commentaire constructif. Donc moi je peux voir tout cela, et ceux qui ne remplissent pas les conditions ne pourront pas gagner, et je désignerai un vainqueur parmi tous vos commentaires. Du coup, avant de commencer la vidéo, je voulais aussi vous dire que du coup j'arrête le PVP avec mes persos. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai encore peut-être 150-200 clips de PVP, étant donné que mon sacré est grade 8, que j'ai aussi pendant ces 1 mois, j'ai fait un EK qui est niveau 106, qui était PVP, je l'ai upgrade 3, puis j'ai arrêté pour faire un SRAM que j'ai aussi arrêté. J'ai vraiment du coup énormément de clips pour tout simplement finir, vendre tous mes stuff et faire une team PVM. Donc là, il va, je pense dans 1 mois, ils sont niveau 100-150. Et je vais vous faire des vidéos de drop en PVM vraiment énormes. Des 2, 3, 4, 5 millions de Kama par jour. En droppant des items, en droppant des stuff que vous allez crafter. Et je peux vous dire que vous allez vous faire énormément de bénéfices. Donc ça, je vous conseille de me suivre pour voir les prochaines vidéos qui vont vous parler de sujet, du sujet du PVM. Du coup, maintenant on va passer à l'astuce Kama. Donc cette astuce Kama, ça va être sur la forge magie, sur les runes, sur l'obtention des runes. Donc je pense que beaucoup d'entre vous ont cherché des items à concasser pour obtenir telle rune, faire du bénéfice, pouvoir le revendre en HDV, puisque vous allez voir de suite que cela vaut extrêmement cher. Là vous regardez, rune de forge magie, hop. On va prendre par exemple les runes d'eau. Donc les runes d'eau, c'est celles qui valent le plus cher. Après les runes GAPA, GAPM et PO. Donc ces trois types de runes, on va pas en parler dans cette vidéo, étant donné qu'il n'y a aucun item où il y a 100% de chance d'obtention, sauf les items niveau 200 sur ces runes là. Et là on va d'abord parler des runes simples, donc toutes les runes que vous pouvez obtenir à 100% de chance sur des items. Et je vais vous expliquer quel item prendre pour obtenir ces runes là. Et du coup, vous pouvez voir par exemple les runes d'honnête qui sont à 1 500 000 Kama les 100, qui peuvent vous rapporter énormément de Kama. Encore les runes d'eau feu, 700 000. Les runes d'eau, ça vaut pas trop cher. Mais les runes d'eau cri, par exemple, 900 000 Kama les 100. Et les runes d'eau air, 230 000 Kama. Après, aussi quelque chose de très intéressant, ça va être les runes Ra. Donc les runes par exemple Rain, Rage, Racha, Rafo. Alors sauf les runes rage, je viens de m'apercevoir qu'elle va 18 000 Kama les 100, mais vous voyez que le reste vaut 400 000 Kama, 350 000 Kama les 100, et vous pouvez vous faire un énorme bénéfice. Il y a aussi les runes Rain qui rapportent vraiment beaucoup, 3 millions de Kama les 100, vous voyez. Les runes rapides de même, 3 millions de Kama. Les runes rapod, 300 000 Kama les 100, ça peut toujours faire un bon bénéfice. Et les runes Ravi, Rasa et Pavi qui, comme d'habitude, sont les meilleures runes à vendre. Du coup, pour cela, vous allez devoir aller dans la description et vous rendre sur le site que j'ai mis dans cette description. Et vous allez voir qu'il va vous être très pratique, étant donné que c'est un site de brisage, un forum sur Wikidofus. Donc vraiment, merci beaucoup à celui qui a fait ce forum en or, celui qui a fait cette page en or, étant donné qu'elle m'a aidé personnellement à me faire énormément de Kama. Donc qu'est-ce que vous allez retrouver sur cette page? Il va avoir déjà dans le sommaire, vous pourrez cliquer sur la rune que vous voulez obtenir et vous allez du coup avoir le taux de brisage de cette rune, étant donné que d'autres personnes sur les serveurs de Dofus depuis la 2.0 ont testé en très grand nombre certains items. Ils l'ont dit, ils ont partagé leur ce qu'ils avaient appris, ils ont partagé les runes qu'ils ont obtenues, soit en vidéo, soit sur des forums. Et Wikidofus, sur cette page, les taux de brisage, a réuni tout cela pour aider les joueurs comme nous qui cherchent à crafter ces fameuses runes. Du coup, nous par exemple, avant de commencer à chercher quel item concasser, il va falloir bien savoir quelque chose avec le seuil d'obtention. Donc pour la plupart des runes, il y aura un seuil d'obtention, c'est-à-dire il faudra que votre item ait un certain G pour avoir 100% d'obtention de cette rune. Après, il y a d'autres items comme les GAPA, GAPM, PO, où il y a il y en a une seule par item, donc il y a un seul PA, un seul PM, un seul PO, il peut pas en avoir plus, sauf pour les PO où sur de très rares items il y en a deux. Et du coup, vous n'avez aucun item à part. En fait, vous n'avez aucun item, vous avez 100% de chance d'obtention. En fait, c'est par rapport à l'item. Plus il est HL,
plus vous avez de chances d'obtention. Donc c'est pour cela qu'on ne va pas parler de ces runes aujourd'hui, étant donné qu'elles ne sont pas rentables. Donc maintenant on va parler des runes Rafo, Ra'aj, Ra'sha, Ra'in, qui sont quand même les runes, parmi les runes les plus achetées et les plus utiles dans la forge magie. Donc nous on va par exemple prendre les runes Rafo, Ra'sha, Ra'in. Donc j'ai vu que les runes Ra'aj coûtaient seulement 18 000 camalescents. Et vous pouvez voir qu'il est dit que si votre item dépasse les 34 dans un élément, vous avez 100% de chance d'obtention de la rune. Donc là, vous avez compris, le but va être de craft des items en masse, donc en craft 100, 200, 300, 400. Donc faire un craft peu coûteux qui va vous coûter peut-être 200 000, 300 000 kama pour obtenir 200, 300 runes rares et faire un bénéfice énorme. Et surtout que les runes se vendent extrêmement vite, en un ou deux jours, vous avez vendu toutes vos runes. Donc l'astuce, une fois que vous êtes référencié à ce site, donc là vous pouvez voir que les runes rares, il m'est marqué que j'ai 100% de chance d'obtention avec si l'élément dépasse de 34. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans le shop, je vais chercher un item qui dépasse les 34. Donc souvent dans les forgerons, au niveau des haches ou même au niveau des marteaux, il y a beaucoup d'items qui ont beaucoup de caractère. Donc on va chercher un marteau, marteau piqueur, donc 25 de force, ça ne nous suffit pas. Nous on veut vraiment 34 pour avoir 100% de chance et pour pas avoir des mauvaises surprises. Donc Sargas, est-ce que lui là, non, ok. Donc là même si on fait pas du bénéfice, c'est pour vous donner un exemple pour que vous compreniez l'astuce. Alors, sinon je remets la vidéo dès que j'ai trouvé un item qui coûte pas cher et qui a plus de 34 en un élément. Donc à toutes les gens. Donc voilà, donc j'ai trouvé un item, donc par exemple on va prendre le Hood qui rajoute 34 de chance. Donc là, dès ce moment là, vous avez 100% de chance d'obtention de la rune. Alors là, bien sûr, ça va me coûter plus cher de conquérir cet item, mais c'est pour vous montrer un exemple, pour vous prouver que cela marche et du coup de faire cette astuce Kama. Alors bien sûr, n'en abusez pas, c'est pour ça que je vous donne pas des items rentables, étant donné que moi j'en connais vraiment beaucoup, une dizaine peut-être. Et si je vous les donnerais, ben, vous les ferez en masse et l'astuce ne marcherait pas. Et j'en ai marre de faire des astuces Kama où au bout d'un jour ou deux, vous êtes tellement allé voir et allé reproduire qu'elle ne marche plus. Ça détruit l'économie du serveur. J'ai compris cela, du coup, maintenant je ne le fais plus et je fais des astuces Kama plus globales. Et c'est à vous de trouver quel item à concasser. Donc là, vous voyez, on a eu 100% de chance d'obtention. Le Wood avec 34 de chance. On a eu une rune Ra'sha, donc plus 10 de chance. Et ensuite, vous pouvez la vendre. Donc là, comme je vous ai déjà dit, l'astuce Kama va consister à crafter 100, 200 items et ensuite à tous les concasser pour obtenir la rune parmi tout le magasin, tout shop de runes de forge magie que vous voulez obtenir. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc soit vous participez au concours et vous abonnez, etc. Soit même si vous ne participez pas, juste pour le travail fourni, étant donné que le montage, l'upload, le fait que je refasse plusieurs fois la vidéo pour pas qu'elle soit trop longue, etc., me prennent vraiment beaucoup de temps. Ça me prend entre 2 et 3 heures. Donc c'est vraiment extrêmement long. Et si vous pouvez récompenser cela par un petit like, ça ferait vraiment plaisir. Donc allez, ciao ciao.